Et tout ce qui vient bronzer ce soir avec, je ne vais pas dire un film bronze avec un homme ou avec vraiment un réseau, mais le film bronze avec la parole et avec Dieu lui-même. Donc ce soir, c'est vraiment, c'est une la joie pour nous retrouver ensemble, tous d'un seul esprit, d'un seul équerre. Vu qu'aujourd'hui, c'est un congé public, malgré le congé public, même les enfants, la famille, je finirai dans la case. Mais c'est pour cela que nous, en même temps, c'est nous gagner l'occasion encore plus pour nous capables d'adorer le bon Dieu, servir le bon Dieu et continuellement prêcher sa parole dans toute la liberté. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même et vraiment Dieu est toujours lié avec nous. Donc ce soir, avant que nous commencions, et comme toujours, le principe est comme ça, commence par la prière. Et aussi, nous aussi nous encourage à toute une personne qui peut connecter, qui peut connecter après. Donc, à part de nous ensemble, et côté là, nous pouvons écouter la parole. Après la parole, qui peut écouter la parole de Dieu, nous pouvons prier à toute une personne qui peut-être besoin de la prière, ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas de problème. Et donc, par ce moment de l'épreuve, des difficultés, nous pouvons prier pour eux ce soir, après la réunion. Reste toujours branché. Et qui vraiment, monsieur est certain, après avoir que nous donne la parole de Dieu, moi me dire, pendant qu'il peut écouter même la parole de Dieu, beaucoup de guérisons, de délivrances pour finir opérer dans nos vies, si nous écoutons par la foi. Par la foi, beaucoup de choses transformées, beaucoup de choses y arriver par la foi. Donc ce soir, laisse-nous unir nous ensemble, tous d'un commun accord, laisse-nous préparer nous l'équerre dans la prière. Et nous demande sa grande Saint-Esprit-là, aide-nous. Aide-nous pour nous capables d'écouter, aide-nous pour nous comprendre ce qui nous peut écouter et qui nous capables de mettre en pratique et là-dedans même et dans toute la source de la bénédiction. Laisse ce soir nous unir nous ensemble, laisse-nous prier Dieu de tout nous équerre. Papa, dans le nom de Jésus-Christ ce soir, je viens vers toi, mon Dieu, pour demander de la grâce, Seigneur. Cette réunion elle peut être faite ce soir, non pas parce que vraiment nous, les hommes, nous décidons ainsi, mais Seigneur Dieu, cette réunion elle peut être faite parce que c'est ta volonté, Seigneur notre Dieu. La volonté de Dieu, c'est prêcher de l'Évangile, prêcher de parole pour ouvrir les yeux, l'intelligence de tout le peuple, pour faire eux comprendre et pour trouver la vérité devant eux. Ce soir, mon béni-toi pour sa parole de vérité qui pour prêcher là. Sans le Saint-Esprit, aucune parole ne pas pour capable prêcher. C'est pour cela qu'il m'adresse moi vraiment très spécialement ce soir à la personne du Saint-Esprit. Me demande son aide, son guide, son directive, son intervention, son manifestation, son onction même, qu'il y descende à travers de sa parole, sa onction-là, il coulait le liquide de tout un chacun de nous. Seigneur, me priez-toi pour cette réunion qui peut être faite, Seigneur Dieu, ce soir. C'est une réunion de délivrance, Seigneur Dieu. Cette réunion de délivrance, c'est pour libérer beaucoup de l'âme, de l'âme, pour libérer beaucoup de l'équerre, de pensée, pour libérer, Seigneur. C'est ça la délivrance, Seigneur. Et sa peuple-là, c'est pour connaître encore plus la vérité, c'est pour grandir dans la connaissance de la parole, Seigneur. Papa, me priez que l'Esprit de Dieu lui-même prend contrôle de sa réunion-là, prend contrôle de sa parole et me prend l'autorité ce soir, moi tasse tout, ben, l'interdiction, ben, l'empêchement, ben, l'esprit de distraction qui traversait au milieu de nous, dans le monde spirituel, dans l'atmosphère-là. Moi tasse tout ça, ma puissance-là, et me lie-li, me zette-li dans le lieu d'aride. Seigneur Dieu, me réclame le sang de Jésus-Christ lors à l'atmosphère-là, dans sa lieu-là, mon Dieu, dans sa l'environnement-là. Moi tasse tout, ben, l'esprit des idolâtries, ben, invocation de ben, l'esprit de déesse dans cet environnement. Moi tasse à l'esprit-là. Me détruire sa fausse l'adoration qui est non à l'extérieur là, Seigneur, et me zèle dans le lieu d'aride. Seigneur, que ton esprit prend contrôle, qui vraiment cette atmosphère, il vient l'atmosphère de prière, une atmosphère léger et la liberté pour que la parole y prêche dans toute sa liberté. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ.
Merci, notre Dieu. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, Saint-Esprit. Amen. Et voilà, ce soir, encore une fois, mon petit coucou à tous ceux qui viennent nous après, puis connectés après. Et monsieur est certain, le Saint-Esprit peut faire un travail formidable, dans, vraiment dans l'invisible. Beaucoup Bansam, et vraiment le Saint-Esprit peut toucher Ban l'équerre, peut connecter les autres avec la parole, par son Saint-Esprit. Donc ce soir, nous pouvons nous très attentivement à la parole de Dieu pour nous comprendre ce que Dieu pour déverse dans nous l'équerre ce soir. Donc ce soir, laisse-nous ouvrir nous la Bible dans Épître de Jacques. Dans Épître de Jacques. Le chapitre 4. Épître de Jacques. Le chapitre 4, le verset 7. Épître de Jacques, le chapitre 4, le verset 7. Je vous donne quelques secondes encore pour que nous tous nous capables et trouvent cela dans nous la Bible. L'occasion dans nous la Bible. Et nous encourage à tous les chrétiens de l'Église, de Saint Church, qui toujours nous enseignent dans toutes les réunions qui sont, même dans l'Église, même à la maison, qui tout un chacun est sur la Bible à sa disposition. Qui fait nous dire amen de la Bible, qui fait nous dire servir de la Bible, qui fait nous dire ouvrir nous la Bible à chaque fois qu'il nous presse un verset dans la parole de Dieu. C'est pour vous suivre, pour vous guetter, pour vous examiner, pour qu'il vraiment vous connaît qui peut prêcher, peut prêcher la vérité, qui personne pas encore embête vous, qui peut n'avoir aucune fausseté qui prêchait. Mais la Bible quand nous a ouvert, tout chrétien peut suivre. C'est qu'il peut suivre une, vraiment une parole de vérité. C'est pour cela qu'il est important qu'il y ait tout qui est dans la Bible, de guetter ce qu'il peut dire, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il a ajouté, est-ce qu'il y pose ce qu'il peut dire, ou soit vraiment comment la Bible était, c'est comme ça même qu'il peut prêcher. Alors, on encourage tout le chrétien, comme nous toujours faire, amène la Bible avec vous et ouvrez la Bible, pour faire la lecture. Épître de Jacques, le chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Donc, il vous parle ce soir. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et avant que nous continuions dans le message, laisse tout d'abord nous remercier Dieu pour sa parole. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie toi, Papa, je bénis toi, je rends grâce à toi, je exalte, je donne toi la gloire et l'honneur. Je bénis toi pour ta parole qui pour prêcher dans toute sa liberté. Seigneur, qui la parole y prêchait dans toute sa franchise. Seigneur, aucune puissance de l'extérieur, Papa, pas pour capable, empêche-nous presse la vérité. Seigneur, la vérité, c'est Dieu lui-même. Seigneur, aide-nous pour nous comprendre la vérité, pour nous capables de tenir la vérité et nous accepter la vérité, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Alléluia. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et ce soir, nous vous parlons un petit peu le thème de ce message ce soir. Nous vous parlons un petit peu sur le ruse de Satan ou le ruse du diable. Et nous espérons qu'on nous peut dire le ruse du diable, qu'on nous peut servir sa mot, Satan le diable, nous espérons que les chrétiens
quand tout le temps ça nous là, je n'ai pas gagné père. J'espérais qu'il y ait des chrétiens, je n'ai pas gagné père. Et je n'ai pas dit aujourd'hui, qui peut presser le Satan, le diable. Au contraire, la Bible dit, quand nous deux ensemble, l'enfer tremblait. Le diable y perd. Le diable y perd les enfants de Dieu. Le diable y perd la vérité. Le diable y perd la lumière. Le diable y perd quand la vérité est prêchée. Le diable y perd. Mais nous, chrétiens, nous pas peur ni Satan le diable, ni Soban démon, et ni sa nom là si fait nous gagner peur. Au contraire, dès qu'il nous prend le nom de Jésus-Christ, il casse piquant. Donc ce soir, nous pas pour Paul, le Satan là qui est pas besoin de perdre ce nom, mais ce soir nous Paul un petit peu le ruse. Le ruse du diable, le ruse de Satan. Donc c'est pour cela que la Bible il peut dire résister au diable, qui vraiment qui fait les diables résister, qui fait en l'autre mot les diables résister et les pour fuir loin de nous, c'est quelque chose d'arrivé qu'on prend parce que Satan le diable à cause qu'il est rusé, le diable est rusé veut dire qu'il n'importe quand qu'il est, il est capable de séduire un enfant bon Dieu. Il est capable même d'arriver d'être un chrétien, un enfant bon Dieu, dans ce filet. Même qu'il habite, dis-moi avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, même qu'il habite, dis comme ça, et nous vraiment sous l'abri du Très-Haut, nous protéger sous l'abri du Très-Haut, mais qui fait la Bible, dis-nous, et vraiment, dis-nous, résister au diable. Qui fait, dis-nous, résister. Résister et les poufier loin de nous. Parce que la Bible, Dieu connaît, Satan lui rusé. Lui rusé n'importe quand qu'il est, il est capable d'attaquer et il est capable d'être nous dans son filet. Il est capable vraiment de faire nous du tort, faire nous du mal. C'est pour cela que ce soir, on vous parle un petit peu lors de ce ruse. Dès qu'il chose, le diable lui servit dans son ruse. Ce soir, on vous parle ça dès qu'il chose là. Donc, quand nous guettons dans la parole de Dieu, pardon, quand nous guettons dans la parole de Dieu, tout à l'heure, nous pouvons avancer un petit peu plus profond dans le message, nous pensons à des quelque chose que le diable lui servit, quand nous disons Satan, le diable lui rusé, dans son ruse, derrière son ruse, qui est non derrière son ruse, et quand il servit son ruse, il arrivait parfois, il gagne un chrétien dans son panneau, les gars chrétiens dans son filet, les gars chrétiens dans son panier, les gars chrétiens qui fait qui lui servit. Qui ça dit quelque chose qui est non avec les lui servit dans son ruse. Première quelque chose qui lui servit dans son ruse pour être les enfants de Dieu dans son piège. Et surtout, quand lui servit ruse, nous vous causons là ce soir, quand les diables lui servit son ruse pour être un enfant bon Dieu dans son filet, c'est comme bénédiction bon Dieu peut descendre la vie de ses enfants. Quand nos bénédictions peut descendre, nos bénédictions peut vraiment peut traverser comme la source de bénédiction. L'état Satan, le diable, il trouve sa bénédiction peut descendre comme la source peut descendre nous la vie. Nous pouvons réussir dans qui sont, nous pouvons réussir dans l'autre, et dans le succès dans l'autre, et dans le bonheur dans l'autre, et dans la victoire dans l'autre, et dans la guérison, et dans le... Quand le diable peut trouver tout sa succès, tout sa bénédiction là, c'est là qu'il y vient servir son ruse. Et alors nous pouvons trouver dans 3-4 versets, nous pouvons voir l'exemple de la parole de Dieu. Comment vraiment comme une bénédiction de Dieu pour descendre, pour avoir un grand éclatement de la gloire, bon Dieu, donne-nous la vie au milieu de nous. C'est la même les descendre pour servir son ruse, juste pour faire nous désobéir, bon Dieu, détourner de nous semer et aussi que faire nous perdre nos bénédictions, bon Dieu. Donc, qui ça dit quelque chose qui est là derrière son ruse qui lui servit, qui tout le temps, ça même lui servit. Première quelque chose qui est là dans son ruse, c'est le doute. Il amène le doute. Première question, il amène le doute dans les cœurs. Son ruse, derrière sa ruse-là, première question, il servit dans son ruse, c'est le doute. Comment allez-vous gagner chrétien et les gagner chrétien pour le doute?
Deuxième petite chose, une stratégie lui servit pour lui gagner un chrétien dans son filet, pour lui gagner un enfant bon Dieu, après le doute, il y a même sa dimoun là dans une confession. Nous vous parlons ça dès qu'ils sont là ce soir. Il y a même le doute, derrière son rise, et la petite servie doute, il y a un homme pour lui, son homme c'est doute et la confession. Nous vous parlons ça dès qu'ils sont là ce soir. Quand nous parlons le doute et la confusion, c'est ça même qui lui servit comme une stratégie, qui lui fait être ben enfant de Dieu, lui fait être serviteur de Dieu, lui fait vraiment et faire beaucoup fracas au milieu du peuple de Dieu, même dans l'église, lui fait fracas, lui sème le doute et la confusion, qu'on aime beaucoup l'église, il y a un problème, finalement. Ban cassure, finalement, ban division, et division parmi le peuple, l'autre qui sont d'accord. Pourtant, la parole de Dieu est claire comme un miroir, la paix presse la vérité, l'autre dit non, il a dit une confusion, l'autre dans le doute. C'est comme ça, beaucoup, ban situation difficile, il arrivait dans l'œuvre de Dieu, il arrivait dans la vie, ban enfants de Dieu, il arrivait dans la vie de la chrétienté. Il arrivait dans la vie des hommes de Dieu. C'est ça même la stratégie d'une servie. Donc, c'était maintenant, si nous pas discernons, si nous pas discernons à temps, il risquait d'être nous dans son piège. Et pour faire cela, à chaque fois que la bénédiction peut descendre, à chaque fois que nous bénédiction peut venir, à chaque fois que Dieu peut répondre à la prière, il peut descendre sa bénédiction là, là même le pouvoir de service à Van Ruse là, juste pour qu'aucun ou bénédiction soit ou bénédiction passe à côté d'y aller. Et cela fait nous rappeler quand nous ne pas le ruse du diable. Ça fait nous rappeler dans le livre de la Genèse, chapitre 3, le verset premier. Il fait nous rappeler, lui dire, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la terre. Le serpent était le plus rusé. Quand nous parlons serpent, quand nous parlons le dragon, c'est nous parlons de Satan, le diable. Il fait son déguisement. Et la Bible dit, le serpent était les animaux les plus rusés de la terre. Et qu'il fait, étant donné que le serpent était l'animal le plus rusé de la terre, lui fait rentrer dans les jardins d'Éden, première chose qu'il lui fait faire, c'est ça même que nous pouvons parler ce soir, première chose qu'il lui fait amener, c'est le doute, malgré qui bon Dieu lui-même en personne. Nous pas pédia ban apôtre à sa époque là, nous pas pédia ban disciple à sa époque là, nous pas pédia ban prophète dans sa époque là, nous pas pédia peut-être ban homme de Dieu dans sa époque là, mais bel et bien en personne lui-même, c'est Dieu lui-même en personne. Dieu lui-même en personne, lui fait pourtant explique Adam et Ève. L'in averti Adam et Ève, l'in explique autres, l'in averti autres, l'in montre autres le meilleur la vie qui est dans à l'avenir devant, l'in montre autres, même l'in donne l'homme ce pouvoir pour donner nom à tous les animaux qui existaient dans la terre. Tous les jours, Dieu qui peut visiter ce créature, tous les jours, Dieu qui est en dialogue avec nous. Tous les jours, mon Dieu, je suis connecté avec mon Dieu. Mais fur et à mesure que vraiment, cette personne-là, vous êtes déclaré comme la personne la plus heureuse, la plus bénie de la création de la terre, Adam et Ève. La personne la plus bénie de la terre, qui fait, mon Dieu, la personne la plus bénie, c'est la personne de commencement, je finis l'occasion d'un dialogue, d'une conversation avec Dieu lui-même en personne. Bonne personne qui me dit heureux, bonne personne bénie,
Bonne personne remplie de la bénédiction, bon Dieu. Bonne personne qui connaît valait l'importance, qui goûte la présence, bon Dieu. Et malheureusement, c'est dans ce moment-là même que Satan, le diable, fait gagner l'occasion pour vivre qu'aucun autre bénédiction. C'est quand peut béni que le diable lui fait l'apparition. Il n'est pas intéressé avec un chrétien qui n'est pas béni. Il n'est pas intéressé avec un chrétien qui vit loin en bon Dieu. Il n'est pas intéressé avec un chrétien qui n'a la vie de prière à la légère là-haut, là-haut. Il n'est pas intéressé avec un chrétien qui n'a pas lu la Bible. Il n'est pas intéressé avec un chrétien qui peut avoir confiance dans la parole de Dieu. Il n'est pas intéressé avec un chrétien qui lui-même lisise la parole de Dieu et vraiment lui trouve la parole de Dieu et pas bon, lui trouve la parole de Dieu, pas la vérité. Il n'est pas intéressé à tout cela. Il est intéressé avec un chrétien qui peut bénir dans son âme. Il est intéressé avec un chrétien qui a une bonne relation avec son bon Dieu. Il est intéressé avec un chrétien qui tous les jours il dialogue avec son bon Dieu et son bon Dieu dialogue en lui. Or, sa qualité chrétienne-là, il est intéressé. Il n'est pas intéressé avec l'église qui mollo-mollo. Il n'est pas intéressé avec l'église qui perd pour cause la vérité. Il n'est pas intéressé avec l'église pour garder le peuple dans l'ignorance. Il n'est pas intéressé avec l'église qui peut faire mal peuple croire, qui peut être en danger, qui peut être en malheur, qui peut venir en dehors. Tout le plateau, tout bon, tout correct, tout en merveille. Dieu est avec toi, Dieu lui protège toi, Dieu lui secourit à toi, Dieu lui donne ton faveur. Il n'est pas intéressé avec sa qualité là, lui. Mais il est intéressé avec l'église qui cause la vérité. Il est intéressé avec un peuple qui est content en l'église qu'on prêche la vérité. Or, ça qui est intéressant. Et ça même lui fait faire dans le jardin d'Éden. Quand il trouve Adam et Ève, peut vraiment peut bénir avec le Créateur qui crée les ciels, la terre, l'univers et crée l'homme à son image. L'étant, il trouve l'homme et une relation tous les jours, constamment, dialogue en son bon Dieu. Non pas seulement je n'ai dialogue, je n'ai une relation, mais plus encore extraordinaire. Parce que tous les jours, Dieu, tu peux venir rendre une visite. Alors donc, quelle bénédiction. Quelle grâce. Quelle merveille. Et le diable, il n'est pas capable de ça, déguisé en serpent le plus rusé, l'animal le plus rusé sur la terre. Les filles descendent dans les jardins d'Éden avec ce déguisement. Tout ce que bon Dieu fit dire, tout ce que bon Dieu fit expliquer, tout ce que bon Dieu fit mettre en garde, tout ce que bon Dieu fit avertir, l'une vient tout en bas là-haut, les filles viennent mettre tout dans le pays. Il fait croire dans quelque chose qui bon Dieu pas Dieu. Mais malheureusement, Adam et Ève, pas le récit discerne le serpent. Pas le récit discerne Satan, le diable, attend. Si c'est discerne et attend, ils n'ont pas commis les erreurs. Quand finalement le doute, premier qui sort, amène le doute. Dieu dit, mange tous les fruits, l'homme qui trouve au milieu du jardin, ni te manger, ni te toucher. Si te manger, te toucher, te mourir. Le diable vient venir, ce que Dieu pas dire, il vient dire. C'est nous, au contraire, de l'iser pour ouvert, de pour trouver tout, de pour connaître tout, et de pour trouver la vérité devant toi. C'est Dieu pas l'espoir qu'on prie la vérité. C'est ce que Dieu pas dire, il vient ajouter. La ligne met un doute. Deuxième chose qu'il rentrait, c'est la confession.
Dieu vient dire ça. Maintenant, Satan dit, Dieu vient dire ça, et il ne pas dire toi ça. Dieu vient dire ça, mais ça, il ne pas dire toi. L'autre, il ne pas dire toi. Qui fait, il ne pas dire toi? Parce qu'il est caché de toi. Il n'embête toi. Il n'a pas envie de t'obliger ouvert. La confusion. Et quand on rentre dans la confusion, le doute qui monte dans les quais avant, dès que le doute finit rentre dans les quais, la confusion finit prend place. Et dès que la confusion finit prend place, bingo, rentre dans le filet du diable. Je finis exécute ce que le serpent finit dire. Je n'ai pas fini exécute toutes ces explications qui finit dire là. Tout s'expliquer, fin explique autres là. Tout ça causer, fin cause aux autres là. Mais je pas fin prendre en considération ce qui fin explique autres ou ce qui fin dit aux autres. Je pas fin prendre en considération. Au contraire, je finis prendre ce que le diable fin dit aux autres. Ça, je finis prendre en considération. Et quand je finis prendre Satan, le diable, il met ça dedans, comme on dit, il met ça dans son filet, il amène ça doute là, dès qu'il va là, il envale ça doute là, dès qu'il va là ouvert l'esprit, dès qu'il va là ouvert les cœurs, il accueille le doute, la confusion est rentrée. Quand la confusion est rentrée maintenant, ben là, il rentre dans une confusion, je vais le faire le sous d'oreille. Comme si je ne pas comprendre rien maintenant, je ne pas comprendre rien et je ne pas connaître rien. Et la Bible dit comme ça, je désobéis à mon Dieu. Quand je désobéis à mon Dieu, je t'ai péché contre mon Dieu. C'est ça le plan du diable. Quand je désobéis, je connexion fin coupée à mon Dieu. Je te sa visite qui tient là tous les jours là, ça coupé à mon Dieu. La bénédiction qui t'est réservée pour vous autres, toute longue vous autres, l'avenir, coupé, vous autres perdus. Et le diable, il sortit victorieux dans sa attaque qui est victoire. C'est pour cela qu'il est très important pour expliquer les chrétiens. Parfois, nous pensons, nous dire, pas besoin d'expliquer chrétien sa quantité là. Pas besoin de cause sur le diable, cause le Satan, le diable, parce que Dieu finit faire beaucoup de promesses dans son parole. Beaucoup de promesses, bon Dieu finit faire. Pas nécessaire parce qu'il peut vivre sous la promesse, nous peut vivre sous la grâce. Non, il n'y a pas pour arriver de nous. Tout qui chose le plateau. Non, c'est faux. Tout la promesse il a, le psaume 91, sa promesse il a, Matthieu 28, le verset 20, sa promesse là, Marc chapitre 5, le verset 36, sa promesse là, tout sa bonne promesse il a. Mais seulement il est important, toute sa promesse qu'il a, toute sa bénédiction qu'il a, les bons qui nous aident, un peuple averti. Parce que le diable pouvait coquer sa bonne bénédiction là dans nous la vie. Lui pouvait sa bonne promesse là réalisée dans nous la vie. C'est pour cela qu'il nous a averti le peuple. Mettre le peuple en garde. Donc, je vais faire toutes sortes de choses dans les jardins d'Éden. Et il ne récite qu'aucun autre bénédiction. Il ne récite qu'aucun autre contact. Il récit faire autres comme si bon Dieu tous les deux avec autres inhalés. Il récit faire ça. Quand on a désobéi, tout à prendre le fruit, tout à manger. Dès qu'ils ont mangé, tout un chacun fut aux autres nus, finit caché derrière les arbres. Quand Dieu finit visite autres à nouveau, comme d'habitude, Adam, où es-tu? En l'autre mot, tous les jours, Dieu t'y fait autres. Tous les jours, Dieu t'y fait cause en zone. Tous les jours, tu es dans un dialogue entre ce créature et ce créateur. Voilà comment le diable, il vient coquer ça d'une fraction de minute. Ça même que la Bible, il dit, la parole de Dieu, il dit, veillez et priez.
Puis j'ai veillé. Qui est pour veiller? Puis j'ai veillé aux bénédictions. Veille ou la vie. Veille, comme dimanche, nous disons, veille le au salut. Même qui nous compte, tous sabbats qui sont là, nous connaît. Tous sabbats promesses là, nous connaît. Mais si nous pas veillons le sabbat promesses là, nous pas veillons le nous salut, comment il fait dans les jardins d'Éden? Il coupe le contact Adam et Ève avec le ciel, avec Dieu en personne lui-même. Il coupe les autres bénédictions. Au lieu de vivre la vie heureuse depuis vraiment, nous ne connaissons pas qui prend le plan merveilleux, Dieu t'y gardait encore. Il fait tout, tombe dans Gilo, perdit tout en Seigneur. C'est pour cela que chrétien doit être averti. Et ce soir, monsieur, c'est un, quand on fait Paul, le Satan, le diable, j'espérais qu'il beaucoup pas fait gagner père. Au contraire, nous nous faisons les pères. Le diable, quand il guette, ça diffait sa l'onction, mon Dieu, là, l'onou, lui-même, les pères pour tous les enfants, mon Dieu. Et quand nous guette maintenant ce ruse qu'il nous servit, cela lui fait nous aussi rappel. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, le verset 9, lit pour nous après que Jésus-Christ fut gêné 40 jours et 48. Nous guettons comment il redamène doute dans l'église de Jésus-Christ. Nous guettons comment il vient remettre confusion. Même avec Jésus-Christ, il remettre dans le doute, il remettre dans la confusion. Parce que c'est pour Jésus-Christ, les pères de sa génération-là, dans l'autre génération, dans les temps de Adam et Ève, les pas père pour mettre la main, le premier Adam, les pas père pour mettre la main, le premier Adam, comme si, pareil, comment nous dire, le sat, un fois les dans la cuisine, il restait qu'un petit bissin pour manger, un coup il vient manger, deuxième coup de pour venir, je ne suis pas avec lui, je ne suis pas avec lui, je ne suis pas caché tout bas qui sont, ou pas garde tout qui chose. En sécurité, ou pas couvert, ou pas manger, lui pourrait lui mettre la bouche dans ou manger. Et le diable, il gagne l'appétit d'un premier Adam, lui vient mettre sur la pâte sale à nouveau le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il vient faire le même travail qu'il vient faire dans les jardins d'Éden avec premier Adam, lui vient faire deuxième travail à nouveau. Avec Jésus-Christ. Pardon. Mais pourtant, avant qu'il vienne au topic là, nous vous guettons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, les versets 17. Quand Jésus-Christ en baptise, même pendant qu'il peut baptiser, ban personne, il peut baptiser autre, il peut dire, moi, je peux baptiser d'eau, mais il y a un pour venir plus puissant que moi. Les pour baptiser d'eau et d'esprit. Les plus puissants. Les pour baptiser d'eau, mais les pour baptiser du feu et du Saint-Esprit. Les plus puissants que moi. Jean-Baptiste lui-même pour dire, je ne suis pas dit. Moi, je n'ai pas dit pour l'orgue ou attache la C de ce sandal. Moi, n'a pas dit. Un quelqu'un pour venir après moi, les plus puissants que moi. La Bible dit que Jésus-Christ fait son apparition dans la rivière de Jourdain. Quand il est venu lui-même, il met lui dans l'humilité, il met lui dans de l'eau, il dit Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean-Baptiste dit, moi, maître, moi qui pour baptise toi, il dit, faire ce qu'il vient pour faire selon la parole. Nous pouvons écouter le coup ce soir. Nous vous guettez comment lui mettre doute et confusion. L'étant Jésus-Christ passe à travers eux du baptême. Dès qu'il est fini de baptiser, c'est la même les sept trinités, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la même banane fait autre identification pour le monde en entier connaît que le Père, le Fils, le Saint-Esprit bel et bien existé. La Bible qui dit, dès que Jésus-Christ Philippe prend le baptême, il dit, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Elle la voix fit faire entendre depuis dans les ciels. Le ciel fit l'ouvert. Elle la voix fit saute dans les ciels.
C'est le Père qui causait. Lui dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Le Père lui fait son identification, lui montrer ce qu'a dit l'humanité reconnaître. Le Créateur de la terre, des cieux, de tout l'univers. L'éternel Dieu, c'est le Père. Jésus-Christ passe à travers du baptême. Le Père et le Fils l'ont. Dès que le Fils finit faire le baptême, la Bible dit vraiment, le Saint-Esprit lui fit descendre du forme. Le Saint-Esprit fit descendre de forme de colombe. D'une forme de colombe. Ni le colombe, ni le Saint-Esprit. Ni un pigeon, ni le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit fit descendre sous une forme de colombe, fit descendre sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans la rivière de Jourdain, le ciel, une nouvelle voix fait entendre, le Père fit dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, il parle de Jésus-Christ, le Saint-Esprit fit descendre, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, là, fin est identifié. Tout connaît. Tout ce qui dans la terre connaît, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, bel et bien, il existait. Satan le diable, il t'en est. Satan le diable, il trouvait. Même dans l'invisible, il trouvait, il connaît, il trouvait. Et il t'en est. Et quand Jésus rentre dans son jeûne de 40 jours, 40 nuits, pendant ce jeûne, Satan le diable, costé, fait son apparition. Qui fait les faits sur l'apparition? Parce qu'il y connaît une grande et grande et grande bénédiction qui vraiment descendre sur la vie de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ peut dire, papa, il vient faire ma volonté, mais il vient faire la volonté du Père. Il connaît papa là qui peut descendre dans son âme. Il connaît pour un miracle. Lui connaît pour une guérison, lui connaît pour une grande délivrance, lui connaît pour la résurrection, lui connaît mort pour ressusciter, lui connaît aveugle pour trouver, lui connaît ban boité pour marcher, lui connaît ban qui possédé pour délivrer. Lui connaît quand Jésus-Christ pour commencer son ministère, qui a des puissances, qui a des l'onction, qui a des révolutions dans les mondes spirituels pour une un ange de Dieu lit tout autour de Jésus-Christ, la main de l'éternel lit le Seigneur Jésus-Christ, le diable il connaît. Il compte toute sa bénédiction pour des âmes, c'est-à-dire la source de bénédiction pour des âmes. L'hiver sur la page. Lui dit, si tu es le fils de Dieu, il y a même Jésus-Christ dans notaire, l'eau la montagne. Lui dit, si tu es le fils de Dieu, avant lui dit, on donne qui ça, Roslavine du pain. Si tu es le fils de Dieu, écoutez ce soir, qu'il l'amène premier, chacun de notre case répond aux autres. Qu'il l'amène premier, le doute, pourtant l'infecte en dedans, Matthieu 3, 17, l'infecte fait sa déclaration là, quand un apôtre, quand il fait écrire sa livre là, pour arriver à comprendre qu'il. Comment suite de sa jeûne de prière 40 jours, 40 nuits là, suite de ça, comment le diable finit coster en lit dans sa jeûne de prière là. Et dans Matthieu, chapitre 4, verset 9, tout de suite en place là, le diable coster, si tu es le fils de Dieu, il vient mettre doute dans les pieds de Jésus. Pourtant, l'échelle fait couvert, une déclaration. Fait finalement la voix fin retentit du ciel. Une la voix fin fait entendue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il fait dire. Et l'élimine dit à Jésus cette fois-ci, si tu es le fils de Dieu, ordonne qui s'arrose la vie d'un petit père. Le doute. Ce qu'il y a de faire dans le jardin d'Éden avec le premier Adam, vivissez en deuxième Adam, cette fois-ci, licence aux stratégies.
Ça même qui l'église de Seal Church, tous les temps quand nous prêchons avec l'aide du Saint-Esprit, quand Dieu lui donne sa parole, lui dévoile nous par les stratégies que le diable lui servit, qui fait lui dévoile nous ça, pour nous à notre tour, nous venir ouvrir ou léger. Pour venir ouvrir ou léger, pour faire vous comprendre, pour faire vous trouver la réalité devant vous. Mais malheureusement, pas tout du monde qui a envie de guetter la réalité. Pas tout du monde qui a envie de tendre la réalité. Et n'a peur la réalité. Donc, les fins finies, les fins dire, si tu es le fils de Dieu, fais dire dans Matthieu 3, 17, fais dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, il dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne. Il vient mes doutes. Comme ça même, les jouer avec tout chrétien. T'as l'air de vous venir là. Comme ça même, les jouer avec tout chrétien. Comme ça même, parfois, les jouer avec un homme de Dieu. Il amène les doutes, après il amène les sur la montagne, il récite les versets de la Bible. Il servit la parole pour créer confusion. Or, qu'il crée confusion? Il n'est pas créé confusion à n'importe qui sort, écoutez ce soir. Tout le monde qui n'est pas croit aussi, écoutez ce soir. Il n'est pas créé confusion en n'importe qui sont. Il vient servir la parole pour créer confusion. Il est là dans lui parce qu'il servit la parole. Il est là où même vous trouvez la confusion. Mais oui, mais il peut dire la parole. Dans la parole même, il peut dire. Mais seulement, vous êtes qu'on discerne. Il servit la parole. Il est écrit. Si tu étais un ange pour comme toi. Il connaît la parole. Il servit la parole pour créer une confusion cette fois-ci. Mais Jésus, avec qui il servit à avec qui il repousse-t-il? Résister au diable et il fuira loin de toi. Or, qu'il fait les fuir? Il fait les fuir pas avec son parole qu'il a amenée, mais avec parole la vérité. Avec la vérité. Il fait lui fuir avec la parole. Il est écrit. Après les phrases, il continue. Ça qui est la vérité. Donc, dès qu'ils sont les servis de Yosso Ruiz, les servis donc, les servis le doute et aussi les servis la confusion. Ça même nous dit qu'un bon Dieu finit faire nous sa promesse pour ses bons enfants concernant nous la vie de bénédiction de tous les jours. Quand Dieu finit faire promesse, oui, Dieu finit faire beaucoup de promesses et d'abord beaucoup de bonnes paroles, de bonnes promesses. Dieu lui protège nous, Dieu est avec nous, Dieu lui pour soutenir nous, lui pas pour laisser nous tomber. Tous les jours, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Tout cela, oui, il est la vérité. Mais seulement si nous n'avons pas discerné, quand il amène ce doute, comme un chrétien qui compte toute sa parole de la vérité, là, comme un chrétien qui compte toute la vérité, comme un chrétien qui compte toute promesse mon Dieu, tout chrétien nous compte promesse mon Dieu, mais comme un chrétien, malgré qu'il compte tout promesse bon Dieu, les comptes sur sécurité qu'il tient dans la promesse bon Dieu, avec bon Dieu, mais pourtant beaucoup de chrétiens tombés. Beaucoup de chrétiens chutés dans son avis. Combien de chrétiens viennent chuter? Combien de chrétiens viennent tomber? Combien de chrétiens viennent abandonner bon Dieu? Combien de chrétiens viennent abandonner l'église? Combien de chrétiens retournent dans le monde? Combien de chrétiens retournent dans l'idolâtrie? Mais tout ça, chrétien, la patite. Et ben, promesse bon Dieu dans la parole de Dieu. Tout ça, ben, chrétien, parce qu'on est Jésus avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout ça, ben, chrétien, parce qu'on est Somme 91 ans, quand vraiment Dieu lui garde nous sous l'abri du Très-Haut, etc. Tout. Nous tout connaissons. L'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu. Tout, nous, tous, ben, chrétien, tu connais pas même. Mais comment je vais tomber? Comment, ben, chrétien, vais tomber?
malgré qu'ils ont connu tout ça là. Pareil comme l'homme riche, il dit, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Quand Jésus-Christ, il dit, voilà, ben le commandement, voilà qui devait faire, il dit, Seigneur, tout ce chose, ben, déjà fini pratiquer de mon jeune âge. Puis il dit, déjà comme tout ça, ben, bénédiction, ça va ben, parole là, il connaît commandement là. Mais la Bible qui dit, il allait tout triste. Parce qu'il fait, mon pensée, quand il peut dire cela, le diable met un doute dans la tête. Quand Jésus dit, prends tout ce qui est en avant, les donner aux pauvres, le diable il me définit costé, qui te peut faire. Tout ça dit bien, tout ça richesse là, tu peux le donner ça pauvre. Après, tu deviens pauvre toi aussi. Mais la même qui dit, malgré les contours, les tentours, il virait trop triste, il allait. Il peut dire. Pour ça, comme un chrétien finit tombé, comme un chrétien finit abandonné, comme un chrétien finit chuté, comme un chrétien finit tombé dans un grand, grand péché, qu'ils ont dit, je peux peur pour être, parce qu'il fait un esprit de la honte, finit saisir autres. L'important de la vérité ce soir. Comme un chrétien qui compte tout sa bonne bénédiction, qui lui compte tout la vérité, comme un chrétien finit casse la case, ben l'autre chrétien, fin commettre, ban péché, ban adultère, fin casse, ban mariage. Mais pourtant, il connaît toute la vérité. Mais comment il est capable de casser un mariage? Comment il est un chrétien même, comme un chrétien, dites-le la vérité, capable d'attendre, écoutez. Comment un chrétien même fin arrivé dans l'église, qui est de la chrétienne, il est marié, il y a un couple, il contient l'autre chrétien, il est fin d'aller. Mais il n'est pas tu connais la vérité. Il n'est pas connaît qui est là, qui fait, qui la Bible dit. Mais comment il est tombé? Veut dire que Satan, le diable, est risé. La Bible dit Satan, le diable, il tourne tout autour de nous comme un lion résistant. Il peut chercher pour qu'il gagne pour dévorer. Et pour qu'il puisse le dévorer, il peut le dévorer. Ben, quelqu'un qui peut entendre la parole de Dieu, jamais. Il peut le dévorer, ben, chrétien, pas connaître la parole. Les poils dévots, ben chrétien qui pente la vérité, pente la vérité. Non! Les poils dévots, ben chrétien qui désaccorde la vérité. Les poils dévots, ben chrétien qui donne la vérité, connaît la vérité, au courant de la vérité, au courant de la Bible, au courant de la promesse de Dieu, au courant de ben, qui chose que Dieu met en garde, averti. Nous sommes au courant de tout cela, malgré notre courant de tout cela, mais beaucoup de chrétiens font tomber. C'est pour cela que le devoir de l'Église, c'est avertir le chrétien. Quand avertir le chrétien, ne veut pas dire que le chrétien est père, puis annonce une mauvaise nouvelle. Non, il est fausse. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est pas le royaume de Dieu. Azo disons encore, la bonne nouvelle, c'est pas de Jésus-Christ. Mais qui est la bonne nouvelle qui nous a dans sa dernière temps? La bonne nouvelle que Jésus-Christ peut retourner bientôt. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, Jésus-Christ peut retourner bientôt. Bisa avertit sa peuple-là. Bisa avertit bons enfants bon Dieu. Bisa met bons enfants bon Dieu en garde. Bisa fait connaître. Qui vraiment nous peut vivre dans le monde qui pourrait corrompu, le diable tourne tout autour des bons enfants mondiaux, le diable tourne tout autour des bons chrétiens, comme un lion résistant, il peut chasser pour qui? Pour les guerriers, pour les dévorer. Mais si pas averti aux chrétiens, si pas averti aux enfants mondiaux, si vous pas au courant, le diable est venu, il gagne ou la dévore ou, mais ou peut dire qu'il n'est pas le responsable de sa lame là. Qu'il fait pas responsable sa lame là, parce qu'il s'est mis à avertir ou pas fin avertir ou. Quand vous finissez averti, au moins vous connaissez qui va une précaution ou bien prend. J'espère qu'il ne va pas la paix trop vite. Est-ce qu'il peut comprendre ce soir? Crédit mis à avertir. Parce que le diable est risé. Et dans ce rise, il s'est vu dès qu'il s'ose. Dans ce rise, il s'est vu le doute, après il s'est vu la confusion. Ça veut nous dire que maintenant, et Dieu finit, et l'important qui nous connaît, quand bon Dieu finit pour nous, bonne promesse, bonne bénédiction. Oui, pour nous ça. Pour nous ça, bonne promesse, bénédiction. Mais seulement, pour arriver à une circonstance dans la vie,
prenant bonne circonstance dans la vie, quand bonne circonstance dans la vie y arrivait, tout le monde est dans bonne circonstance de la vie. Qui fait que nous chrétiens, nous connaissons la parole de Dieu, toute bénédiction bon Dieu dans nos côtés, pendant la circonstance. Circonstance difficile, peinant. Circonstance de l'épreuve, peinant. Circonstance de la tentation, la peinant. Circonstance de péché, la peinant. Quand même, il y a toute la promesse de bénédiction tout autour de nous, mais la bonne circonstance, mais seulement dans la bonne circonstance qui est capable arrive nous, n'a pas laissé Satan, le diable, mettre le doute dans nous les cœurs et être nous de confusion. Voilà la clé pour nous. Prenons différents types de circonstances dans nous la vie. Quoi. Nous exposer tous les jours, exposer à différentes circonstances dans la vie. Mais seulement, n'a pas laissé les circonstances mettre le doute dans nous les cœurs, ou soit les circonstances amènent nous dans une confusion. Parce que derrière dans cette circonstance qui nous passe là, le diable est derrière ça, c'est la même les professeurs ruisent. C'est la même les pour ruser. Mais la même, dans cette circonstance là, le doute lui rentrait. Si tu laisses le doute rentrer, la confusion lui rentrer, mais il est la même ou pas le faire, quelque chose que bon Dieu n'a pas dit à vous faire. L'air là fait trop de malheur. Vous dire, dans ma circonstance qui vous paraît difficile, qui vous paraît, sous tentation, sous péché, sous séduction, tout ce qui est ça, on appelle ma circonstance de la vie, du passé. N'a pas laissé Satan, le diable, mettre le doute dans les cœurs. Maintenir, reste ferme, reste solide, l'eau la parole, reste base de la parole. Quand même, qui peut passer devant vous, qui peut passer devant vous, Ligier, la parole, il vient d'imout comme un colonne fait pour divan sa circonstance-là. Parce qu'il est diable pour faire son apparition dans sa circonstance-là. Si vous laissez mettre doute dans les cœurs, ou à l'ouvert ou l'équerre, le doute lui rentrait, la confusion lui rentrait, abé ou pas l'obéir, ou pas le faire, quelque chose qui bon Dieu pas de faire. Mais là, nous ne pouvons pas dire, après barrer, c'est malheur. Quand malheur est venu, qui peut arriver là, quand on tombe dans cette chose-là, le péché lui rentrait. Les coups pour communication avec mon Dieu, ou la vie de prière, la vie de consécration, ou la vie de la méditation, ou même sentir souillé, ou sentir baissé, ou même pour gagner honte comment Adam et Ève tient caché derrière les arbres. Ou même pour gagner, et qu'on nous dira, et ça remord dans les qui là. Tout chrétien qui est dans le Saint-Esprit, dans les, dès qu'il est péché, il gagne remord dans son équipe. Sa conscience-là réproche, lui-même lui honte pour retourner dans la prière, pour lui rendre dans la repentance, pour lui redresser à l'avenir. Mais bizarre vertu, chrétien. Bizarre vertu. Et une fois qu'il connaît, une fois qu'il réussit à faire ou désobéir à mon Dieu, soumission, c'est simple, mais faire ou désobéir. Comment ou désobéir aux communications, pour faire contact? Et là, bien, passe par une repentance pour rétablir, pour dire rétablir ça la ligne. Il connaît le diable qu'il peut faire. Ça, mais il y a du monde qui perd pour cause de la vérité, pour venir dire la vérité. Quand pas venir dire la vérité, le peuple pour être dans l'ignorance. Le diable pour servir parole même, parole de la Bible même, il pouvait servir, mettre tout dans la confusion. Parole de la Bible même, il pouvait mettre des doutes dans les cœurs. Il vous montre aux paroles de la Bible même, bon, qui chose. Qui les dit à mauvais, qui chose à Jésus-Christ, c'est toi. Dieu parle à l'ange pour secourir quelqu'un pour le croire. Qui n'est mal l'indien? Il cause la vérité, bon qu'il soit bien qu'il cause. Mais seulement, il y a une pièce derrière ça. Quand il dit à Jésus-Christ, prosterne, si tu prosternes devant moi, qui n'est mal là-dedans? Qui n'est mal l'indien? Si tu prosternes devant moi, guette. Tout soit royaume là, donne-toi, tout soit royaume là pour toi. Qui n'est mal l'indien? C'est mort, il y a une pièce là-dedans. Qui fait? Parce que Jésus-Christ, le royaume, pas ici-bas. Et nous aussi, ce soir, nous dire fort, nous crier, nous pouvons vivre loin de la terre, nous pouvons vivre dans sa île Maurice-là, nous pouvons vivre dans sa royaume qui est en bas, nous pouvons vivre là-dedans, mais ça, nous ne royons pas en bas, lui. Ça, le monde-là, pas pour nous, ça. C'est moi, nous pouvons vivre là-dedans, nous pouvons vivre là-dedans, c'est ce cas.
qui nous quitte la terre, nous allons jusqu'à Jésus-Christ qui cesse nous. Mais c'est moi, au vrai dire, que ça me dit, nous n'a pas attaché nous avec les choses ici-bas. Pas attaché nous, tout ce qu'il y a ici-bas, pas pour nous ça. Tout nous quitter pour aller. Demain, Jésus-Christ vient cesse son peuple, cesse son église. Chaque dimanche qui est sur la case peut écouter, chaque chrétien qui est sur la famille peut écouter. Jésus-Christ vient à soi, lève-vous, allez. Ou écoutez les enfants, ou monsieur, madame, les enfants, tous les deux, ou famille. Mais où la case, quand tu peux rester là, ou bien si tu peux écouter la parole là, la case, elle peut rester là. Lui. Tout ce qu'on meublé dans la case là, tout ce qu'on acheté, on prend des dettes, on acheté, on remplit la case, tout pour rester là même pour aller là. Qui fait? Parce que pas nous royaume ça. Pas nous les mondes ça. Nous royaume là-haut. Nous royaume les plus meublés, ce qui nous meublé ici, par la terre. Les meublés avec quelque chose de belle, quelque chose de précieuse. Quand je dis que si Dieu parle auprès du Père, mon Père prépare une place pour tout un chacun de nous. Nous tous une place et préparer là-haut. Mais seulement, qui fait nous plus que la vérité pour ne pas rater sa place là, pour ne pas perdre sa place là, parce que le diable il est risé. Le monde déjà dans son lame, dans son filet, mais il pourrait gagner un chrétien si. Parce que si un chrétien n'est pas averti, ah ben, il risque de perdre. C'est pour cela qu'il est important. Et pour terminer, quand nous guettons, pareil comme dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 2, le verset 8, nous guettons comment les risées, guettons comment les risées encore. La Bible pour nous, là, dans Matthieu 2, le verset 8 et le verset 13, dans le verset 8, il dit comme ça, que pareil quand tu es dans la bonne marge, quand Jésus-Christ va prendre naissance à Bethléem, qu'il est dans Hérode, le roi d'Hérode, qu'il est dans sa bonne marche là. Il dit, et comme on peut suivre l'étoile, puis aller jusqu'à que vraiment je parie de sa place comme Jésus pour prendre naissance là. Qu'il est dit, puis aller, prenez toutes les informations précises, prends toutes les informations précises, nous les petits enfants. Et quand je trouve les, fais-moi connaître, moi aussi, afin qu'il ne soit pas allé, moi aussi, moi, adoré. Quelle rise! Il dit ça, bonne marche là, et je peux aller, ok, suivre, aller, et guetter tout ce qui est là, ce qui est passé. Donc, après, informe-moi, demande-moi une information précise, parce que moi aussi, je ne peux pas visiter ces enfants là, moi aussi, je ne peux pas adorer ces enfants là. Mais pas ça qui tient dans la tête d'Hérode. Et comment le diable est risé? Hérode servit sa bonne marge là pour mettre la main l'enfant Jésus-Christ. Pour mettre la main de Jésus-Christ dans son enfance. Servi. Ça nous dit à nos jours, pareil, le diable, parfois il servit chrétien. Pour sa bonne marge là, il servit. Parce qu'il fait un bon travail. Heureusement, nous pouvons dire tout à l'heure, il n'y a pas de récit qu'un autre. Il n'y a pas de récit qu'un autre. Il n'y a pas d'être averti. Mais comme ça, le diable, quelquefois, il servit. Il est capable de servir un chrétien faible. Nous devons dire ça. Il est capable de servir un chrétien faible. Il gagne toute bonne information le haut. Servir chrétien faible. Chrétien faible amène une parole de doute dans la tête, dans les cœurs. Met tout dans la confusion. Il sait tout en bas. Il est tout spirituel. Hérode, tu retouilles l'enfant Jésus-Christ physiquement. Mais aujourd'hui, les diables capables de tuer spirituellement en servant de chrétiens qui sont faibles dans la foi. Parfois, même un berger, même capable de mettre brebis dans l'erreur. Mal enseigné, pas enseigné la vérité. C'est pour cela qu'il nous connaît pour qui nous payons. C'est pour ça, une fois nous disons, ça m'aurait tout ça. Dieu peut permettre moi de dire ça. C'est nous dire qu'en bénédiction peut couler, peut descendre. N'a pas ouvert les cœurs à la raconte toute qualité. Il n'est pas une superstition, il n'est pas une petite chose de, on nous dit, religion, non, il y a une vérité. Qu'on préserve vos bénédictions. Parce que quand bénédiction peut descendre, la même bébête là pour faire son risque. Pour les coquins, sa bénédiction là, sinon il vous détourne aux bénédictions, aux bénédictions passent prêt avec vous, et allez voir Jésus. Donc, quand il dit à Ban là, allez,
et prendre une information précise sur les petits enfants. Et que, quand vous l'aurez trouvé, disait quand on trouve lui, et vienne faire moi connaître, afin qu'il m'aussi moi aller, mon capable à l'adorer. Pas tu parles quoi à l'adorer. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 13, là il dit, un ange de Dieu fit apparaître à Joseph, un ange que parle avec Joseph, il dit à Joseph, lève-toi et prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, sauvé, quitte Bethléem, sauvé. Quand Hérode persécute l'enfant pour le faire périr, en l'autre mot, pour tuer l'enfant. Hérode l'enfant pour faire l'enfant périr. En l'autre mot, qui pour faire? Pour tuer l'enfant. Quelle ruse il servit. Diabat marche, allez, suive l'étoile, allez guetter. C'est moi qui ai venu, donne-moi une information précise. Qui fait Hérode, il retuait l'enfant Jésus-Christ dans son enfant, parce qu'il lui fallait tendre et même les rois qui peuvent prendre naissance. À quoi il tend bien les rois peuvent prendre naissance, jusqu'à même lui faire tuer tous les enfants. À partir de l'âge à monter, tuer, comme les enfants finissent tuer. Il pensait que Jésus-Christ s'est pas envie là-dedans. Parce qu'il lui connaît les rois qui prennent naissance. À chaque fois qu'il y a une bénédiction pour entrer, il est bien clair ce soir. Jésus-Christ, quand il prend naissance, c'est une bénédiction pour la terre. Jésus-Christ, quand il prend naissance, c'est une bénédiction pour toi aujourd'hui qui n'as assisé, qui te fait capable d'écouter l'évangile. Si ça, Jésus-Christ-là, pas tu prends naissance, toi tu vas mourir dans ton péché. Toi tu vas finir en bas la terre. Tout tu finis troutois aujourd'hui dans le lieu de tourment. Tu peux attendre le grand jugement. Pour juge-toi un jour et une condamnation éternelle dans un tiré. Jésus-Christ, son naissance, une bénédiction pour nous. Et quand Jésus-Christ peut venir une bénédiction pour nous tous, le diable dans son ruisse, le diable devient une bénédiction pour tout, bon pour tout. Toi. C'est la vie qui s'en là, Hérode. Hérode, pour qui servit? Ben mage. Et ben là, fait une visite de l'enfant, la mère, Joseph, fait une apport, ben parfait, une apport, ben cadeau. Et là, le chemin, tu parles avec ça, ben là, dit non, nous ne parlons pas vers Hérode, nous sommes du ciment. Nous ne parlons pas de compte pour le rendre avec Hérode. À chaque fois qu'il a bénédiction de Dieu pour descendre, le diable, si vous descendez à côté de ton bénédiction, pour servir son ruse. Qui est dans son ruse? Le doute et la confusion. Dès qu'il te rentre dans son panneau avec le doute, la confusion, toi, écoute-lui ce qu'il est petit, tu perds ton bénédiction. Tu perds ton bénédiction. Quand il fait un miracle, au miracle, au miracle, au miracle, le diable, il servit son ruse. Pour qui il servit? Vous terminez. Pour qui il servit? Il servit Judas. Judas, c'était qui? Un disciple parmi les douze. Mais Judas, pas tu connais toute parole la vérité? Judas, pas tu connais toute parole la vérité? Judas, pas tu finis connaître, c'est le Fils de Dieu? Judas, pas tu connais, Jésus, pas tu finis dire, pour ressusciter après troisième jour, etc. Les pas tu finis dire, Judas, pas contre tout? Mais malgré Judas, fait tout cela, il compte tout, il est au courant. Il n'est pas devant Jésus-Christ? Il n'est pas dire qu'il peut manger, peut rompre le pain? Il n'est pas dire un parmi les douze, c'est un démon? Mes frères, Jésus, il annonce une mauvaise nouvelle. Jésus, il vient pour donner la bonne nouvelle. Mais qu'il annonce une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, il cause la vérité. Un parmi. Si Judas, il discernait ce qui est là, ban prêtre, ban scribe, et ban là, peut servir pour faire le mal. S'il discernait. S'il s'y prend sa parole, que Jésus dit, un au milieu de nous, c'est un démon. C'est Satan. Mais il s'y pousse en sa décision.
Quand Jésus finit de dire, c'est lui qui met la main avec moi ensemble dans les plats, lui-même pour livrer moi. Il cause la vérité. Mais frère, Jésus, comment capable de dire une mauvaise nouvelle comme ça? Il y a une mauvaise nouvelle parce qu'il y connaît devant qui est là. Il connaît qui peut venir divant. Il connaît qui peut arriver divant. Ça même quand Dieu lui donne sa parole, la parole de la révélation, il connaît qui peut venir divant. Elle avertit mon peuple. Pareil comme à Pierre. Pierre pas de mort avec Jésus de bout en bout. Par les enfants gâtés de Jésus-Christ. Par celui qui nous dormait à côté, l'estomac Jésus-Christ. Mais qui lui dit à Pierre? Quand il dit pour arriver avec cela, Pierre dit comme ça, Seigneur, et moi pour laisser cela arriver. Jésus qui dit à Pierre, Pierre, à la fois de temps qui saute, avant qu'il coque chantait trois fois, toi-même te bouge te pareil, te bouge contre moi, te bouge régner moi. Frère, mais. Jésus dit une mauvaise nouvelle. Les causes comme ça que ce sont disciples, tu pour régner moi, tu pour te pas contre moi, mauvaise nouvelle. Mais Jésus n'a pas mis la même parole de la bonne parole du royaume. Mais comment les causes comme ça? Les causes parce qu'il y a un divant. Je dis la parole peut prêcher, peut prêcher par qui sont qui prennent un divant. Comment peut prêcher? Nous pas connaître. Dieu peut révéler, peut donner, ne peut donner nous. Après, s'il donne nous parole là, Dieu parole là, mauvaise parole peut faire du monde père. Ah ben où qui pour perdre? Tu écoutes ce qu'a dit la voix là, ce qu'a dit Mouna, ou que vous perdez. Mais je prends parole là en considération, sa parole là pour sauver vous du même. Quand dit on trouve dans le royaume de Dieu, là pour dire, là, ou même pour dire, vous connaissez, si je dis mot là, c'est grâce à la parole de Dieu là qui m'a dit. Donc ce soir, nous qui ça, nous étions. C'est avec amour, avec joie qu'il nous prête cette parole que Dieu vient de nous. La parole de Dieu, c'est une épée de double tranchant. Dieu lui connaît toutes les choses à l'avenir, ce qui peut arriver devant. Dieu lui connaît tout. C'est un bien averti sur le peuple, sur l'amour comme ça. Sur l'amour comme ça. Il connaît toutes les choses. Dieu sait ce qu'il voulait. Judas, pour trahir, il finit à Judas. Un parmi nous, c'est un démon. Quand il met la main dans le plat, il essaie de mettre la main dans le plat avant, ensemble avec moi, il est pour vendre moi. Il est la vérité. Quand Pierre vient dire Seigneur, moi pour laisser là arriver, etc. Il dit Pierre, qui te peut dire avant qu'il coque chanter trois fois, te peut dire pas connu. Donc vous régnez moi. Pierre fait régner lui. Mais Pierre va connaître la vérité, pas entendre tout ici. Mais comment il a commis de bêtises? Satan, le diable, tout autour de nous. Pierre, vous priez pour toi parce que Satan, le diable, rôde toi. Et cherche-toi. Le diable, rôde. Chaque chrétien de diable est intéressant, nous. Pérode, nous. Quand il gagne nous loin de portée, quand il gagne nous loin de position, quand il gagne nous pour faire nous comme des faux morts, pour l'écraser, tout y nous, spirituellement. Quand il pour faire nous le péché contre bon Dieu, il pérode. Astère, quand il connaît le pérode, c'est nous devoir pour avertir. Il n'y a pas besoin d'être averti. Besoin d'être averti. Comment pour avertir? Pour qui pour avertir? Pour avertir pour la parole qui prêchait dans toute son vérité. Dans toute la vérité. Aujourd'hui, on fait entendre la parole de Dieu, mais on avertit. Parce que, au guetté, par le circonstance de la vie qu'on venait, on connaît derrière ça qui s'en a fait dibouter. Le diable est stand-by. Dès qu'on rentre dans le doute, la confusion, on rentre dans ce filet. Il est capable de servir la parole. Il est capable de servir le chrétien qui fait même. Mais seulement, ou bien discerner et résister. Résister au diable, et il fuira loin de vous. Et ce soir, nous qui ça, l'ose de l'écrire. La parole est terminée, le message est terminé. Et ce soir, nous pas pour les autres, comme ça même ce soir. Pareil comment Dieu, Jésus dit, il parle qui personne peut rire parmi nous, au milieu de nous. Il parle qui aime brebis. Il parlait qu'il y a une brebis, il rate le ciel. Mais ce soir, c'est pour cela qu'il avertit, nous le mettons en garde. Il ouvre nous l'idée, il ouvre nous l'intelligence. Il fait nous comprendre, il fait nous viser loin, il fait nous trouver loin, il fait nous guetter loin. Et il fait nous comprendre une petite chose qui nous l'intelligence même est trop faible pour comprendre. Par qui il fait nous comprendre? C'est parce au Saint-Esprit. Vous savez même quand la parole est prêchée, sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prêcher. Et nous ne pouvons pas comprendre. Ce soir, nous finissons d'écouter. Donc, ce soir, vu qu'il y a une réunion de délivrance, nous vous passons un moment de la prière, nous vous prions ensemble. Et pendant qu'il peut prier,
peux prêcher mon ressenti. Beaucoup de personnes se lament. Écoute bien, se lament pour libérer. Beaucoup de personnes se conscience qui te fait reprocher, qui gardent prisonnier, qui finissent libérés. Et d'être libéré, qui faire? Peut-être quelque part, les fait piéger, les tomber, mais c'est moi qui connais quelque chose, qui connais qu'appelle l'amour bon Dieu, qui connais qu'appelle repentance, qui connais qu'appelle reprendre sur la vie à nouveau, qui connaît cette fois-ci maintenant, les besoins vigilants, les besoins connaît maintenant, c'est facile de faire beaucoup attention, les besoins connaît maintenant, c'est facile de prendre beaucoup précaution, pendant qu'il pas rate, pendant qu'il y a le rate sur bénédiction, pendant le diable pour qu'il y ait bénédiction. Nous tous, nous avons la bénédiction Dieu nous garde pour nous. Nous tous, nos enfants, bon Dieu. Personne pas plus supérieur qui sont camarades. Nous tous, quand on peut en prendre, nous tous, encore petits, tant qu'ils nous pas quittent ça la terre, nous pas pour finir en prendre. Nous-mêmes, nous pouvons en prendre encore, nous restons en prendre encore beaucoup. Nous-mêmes, nous pas connaître beaucoup de choses. Mais faire à mesure, quand nous peut grandir, le Saint-Esprit peut enseigner nous, peut révéler nous, faire à mesure, nous peut grandir. Si vous grandissez fait à mesure. Oui, frère, on connaît vraiment comme terrain, vont tomber. Oui, ils sont tombés, mais ils ont dit, Dieu est venu pour relever. Pas comme Pierre vient tomber. Il a pleuré amèrement. Mais Jésus il dit, non, il repentit. Il reprend ce ministère, mais plus puissant, plus solide que des avant. Mais aussi, reprends-toi ce soir. Relève-toi ce soir. Repentis-toi. Demande Dieu pardon. Dieu, bon Dieu, je ne peux pas discerner peut-être que tu manques de connaissances. Peut-être que tu étais dans l'église, que tu allais, personne n'a pas averti moi, comment aujourd'hui m'en averti clairement comme ça. Peut-être que je n'ai pas gagné l'occasion, mais ton amour est tellement grand, au contraire, tu peux me montrer de compte en moi, Jésus, tu me permets moi pour tendre sa message là ce soir. M'arriver à comprendre, mais moi je fais erreur, malgré moi je fais erreur, donc compte en moi Jésus-Christ. Pareil, Pierre il fait erreur, Jésus encore il compte en Pierre, continuellement il compte en Pierre. De même, tout un chacun de nous, Dieu il compte en nous. Oui, nous tombons, mais seulement, encore dans les temps, la peau de la grâce a recouvert, remets-toi des mots, reprends-toi la mort. Pas pire Satan le diable, quand tu prononces ce nom-là, pas pire ce nom-là toi. Au contraire, libre un péteur parce qu'il entre dans la lumière et dans la vérité, et dans sa l'onction mon Dieu là, et dans sa diffuse Saint-Esprit là. Lui, il perd pour coûter avec toi. Toi, tu n'as pas payé, lui, il perd toi. Donc ce soir, nous qui sommes les autres équipes. Et nous prions nous tous ensemble dans un commun accord. On demande l'aide de l'Église en entier, tous les membres de l'Église qui peuvent écouter ce soir. Nous réunissons l'équipe. Et après avoir fini de prier, et tout le monde qui est en contact, fin branché, fin écoute le message. Si vous avez un problème, une requête de prière, et un numéro de téléphone, nous avons un site là. Vous êtes capable de servir ce numéro-là, rentre en contact avec une personne concernée. Vous là pour aider les autres encore, pour aider les autres, pour soutenir les autres. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore venu, la Bible dit et soutenir nous les uns les autres, nous là pour soutenir les autres, nous là pour aider les autres, nous là pour encadrer les autres. Oui, le salut du personnel, parce que Dieu pas pour venir lève un titre de l'église. Non, ce n'est pas le titre de l'église qui peut lever. Ce n'est pas l'église qui a tel nom, tel nom, tel nom qui peut lever. Non, Jésus pour venir lève son peuple. Son peuple, le nous les cœurs, le nous front, mais n'a aucune couleur pavillon de nous l'église, qui est dans le nous front de Dieu, c'est qu'il a sa couleur pavillon, il peut enlever. Non. Celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui donne son équerre à Jésus-Christ, lui, il peut enlever. Celui qui n'accepte, qui croit en Jésus-Christ, il y a des enfants, bon Dieu, Dieu pour prendre lui pour aller. Pas pour prendre bâtiment, pas pour prendre titre, pas pour prendre pavillon. Non. Veut dire que tout ça peuple, différentes communautés, différentes églises qui nous étaient, mais peuple-là, un seul peuple, ça. Pâturage là, un seul pâturage là-haut et là. Troupeau là, un seul troupeau, ça. Dieu là, un seul Dieu, ça. Saint-Esprit là, un seul Saint-Esprit, ça. Papa là, un seul Papa là, ça. Saint Jésus-Christ de la croix qui meurt le troisième jour, ressuscité, un seul Jésus-Christ, ça. Alors ce soir, tel que tu étais, comment tu étais, qui l'Église tu étais, tu écoutes ce message. Donc, peut-être, première fois que tu as ce message-là, ben, ce qui nous demande, mettons-nous dans la prière. Si quelque part tu es tombé, tu es chuté, tu es éloigné, tu es déconnecté avec Dieu, peut-être dans les jardins comme dans les jardins d'Éden, peut-être vraiment comme l'homme riche, et peut-être comme Pierre. Donc, ce soir, réponds-toi, réponds-toi à la mort,
reprendre un nouveau départ dans ta vie. Donc ce soir, nous pouvons prier pour vous tous ce soir. Je demande l'Église, unions-nous ensemble. Et toutes bonnes personnes qui ont pensé, ont besoin de la prière, ont besoin d'un renouvellement, d'une restauration à nouveau ce soir, tout simplement dans votre la case, comme vous étiez, ne pose la main dans votre équerre, vous n'avez aucune action pour faire, ne pose la main dans votre équerre, comme vous étiez, Dieu les trouve votre vie, parce que Dieu trouve dans les secrets, dans les plus profondeurs, Dieu les trouve. Pose la main dans votre équerre et nous demande toute l'Église en entier, joignement ensemble, d'un seul esprit, pour prier à tout un chacun. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour le remercier, toi, mon Dieu, pour tes paroles qui prêchaient dans toute la liberté. Seigneur, beaucoup des âmes, mon Dieu, finissent libérées ce soir. Papa, vous priez ceux qui peut-être finissent tomber dans la vie, parce que je peux veiller et prier, Seigneur, ou je suis capable de prier, mais je peux veiller, mon Dieu. Finalement, ma circonstance dans la vie finit arriver, Seigneur, que le doute finit rentrer et je tombe dans ma confusion de la vie, Seigneur. Et je finis déconnecté avec le ciel. Je suis déconnecté avec la parole. Je suis déconnecté avec Dieu. Et je finis tombe dans ma erreur de la vie. Je finis péché, Seigneur. Et le diable finit mettre la honte dans notre équerre. Je suis honté pour retourner vers toi dans une repentance. Seigneur, touche notre équerre ce soir. Délivrez-nous, Seigneur Dieu, et pardonne-nous de notre erreur, de notre faute qu'ils ont commis, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Mets-nous debout à nouveau, Papa. Et de l'amour lui remplit notre cœur. Ceux qui sont malades, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, moi prends l'autorité ce soir. Moi commande à toute ma puissance de la maladie, toute ma puissance de ténèbres qui peut vraiment fatiguer de la santé. Moi lier ça à l'esprit de la maladie là et moi chasse-les, moi zette-les dans le lieu d'aride au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, moi demande de la grâce, moi demande de bonté, moi demande de miséricorde, Dieu, moi demande de guide, Seigneur. Guide tous mes enfants, dirige tous mes enfants, libère tous mes enfants. Tout ce qui est connecté ce soir avec le ciel, ce qui est connecté avec la parole, ce qui est connecté en Jésus-Christ, ce qui est connecté avec la personne du Saint-Esprit, Seigneur, délivre-nous tous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, et ranime-nous la foi à nouveau. Mets-nous debout à nouveau, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur, la gloire, la puissance. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et ce soir, vous ressentez que beaucoup de personnes viennent libérées, viennent soulagées. Beaucoup de personnes ont la joie qu'ils retournent dans notre équerre à nouveau. Parce qu'ils font maintenant, vous ressentez, vous concernez. Vous ressentez maintenant, vous faites une retourne vers le bon Dieu. Vous ressentez maintenant, vous n'êtes pas condamné, non, de n'être libéré, de n'être libéré, de n'être encore un enfant bon Dieu. Donc ce soir, préserve ce qui doit garder. Que le diable ne vienne pas qu'un lit à nouveau. Et sans oublier, et vendredi, nous dans nos rayons de l'enseignement, nous encourageons encore. Connecté à nouveau vendredi, que mon enseignement grandit encore et on prend ma nouveau quelque chose encore Dieu pour révéler nous, on prend développer, grandir encore et compte plus encore, ça pourrait être beaucoup à grandir de la vie. Donc vendredi à 7h, vendredi à 7h, nous réunions de l'enseignement et dimanche nos cultes, 9h30 jusqu'à 10h. Nous pouvons la louange et l'adoration en direct. Et 10h, la prédication est pour commencer à 10h. Donc, nous quittons le message aux autres équerres, les annonces qu'ils nous font faire. Aussi, pour une bonne personne, pour être en contact avec peut-être une qui est branchée pour la première fois, pour encourager les autres encore, pour encadrer les autres encore. Donc, sentez-vous libre pour vous partager votre prière. Et aussi, laissez-nous réunir ensemble. Nous remercions bon Dieu pour ce moment béni qui nous fait passer là. Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je voulais remercier toi
pour ta parole, pour ta puissance, pour ta onction. Merci, mon Dieu, pour ce moment béni nous qui passé là. Merci, tu fais béni tout un chacun, tu vas peuple, tu vas enfants, Seigneur. Tu fais déverser de la grâce, de bénédiction dans toute la vie. Seigneur, nous remercions toi pour la nuit qui nous passer. Merci pour la protection divine qui nous est en toi. Rien de mal. Papa, arrive-nous, Seigneur, ni à ton peuple, ni ton troupeau, ni ton église, Seigneur, parce que nous connaissons en sécurité. Mais Seigneur, nous pouvons toujours, quand même cela, nous pouvons veiller et prier, Seigneur, pour que rien n'a pas atteint à nous la vie. Toute la gloire, tout l'honneur est pour toi, Papa, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Amen. Et voilà, je vous souhaite tout une bonne nuit dans le Seigneur. Bon appétit et un coucou que Dieu vous bénisse.